C'est l'agent de sécurité de cette zone commerciale qui a alerté les secours vers 3 heures ce matin. À leur arrivée, tout l'entrepôt était en feu. Des flammes de 10 mètres de haut s'échappaient du toit de ce bâtiment de 1500 mètres carrés qui abritait des meubles et de l'électroménager. 75 pompiers de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire ont été dépêchés sur place. À noter que deux d'entre eux ont été légèrement blessés et transférés à l'hôpital de Châteaubriant. A priori, cet incendie est d'origine accidentelle. Il est d'origine accidentelle parce qu'on n'a pas trouvé de traces d'effraction. Donc on suppose accidentelle. Après, l'origine exacte, pour le moment, il reste indéterminé et on aura peut-être du mal à le déterminer. Les dégâts sont énormes. Ce sont 900 000 euros de marchandises qui sont partis en fumée. Le magasin But où travaillent 17 personnes est fermé aujourd'hui, mais devrait rouvrir demain. A priori, il n'y aura donc pas de chômage technique. Le maire de Châteaubriant s'est rendu sur les lieux ce matin et a déjà proposé un nouvel entrepôt au directeur du magasin.